به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، کنفرانسی در همبستگی با زنان مقاومت و قیام مردم ایران در محل اقامت رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اوورسرواز در شمال پاریس برگزار شد. در این کنفرانس فعالان حقوق زنان و جنبش برابری از کشورهای مختلف جهان از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، الجزایر، فلسطین، استرالیا، آمریکا و کانادا شرکت داشتند. در این کنفرانس که به دعوت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در روز جمعه 15 اسفند 5 مارس برگزار گردید، خانم مریم رجوی به زنان آزاده و مبارزی که از 5 قاره جهان حضور به هم رسانده بودند خیر مقدم گفت و با تهنیت به مناسبت روز جهانی زن سخنانی پیرامون نقش زنان در مقاومت و قیام مردم ایران ایراد کرد. توجه شما را به گزارشی از این کنفرانس جلب می‌کنم. Chers amis, chers sœurs, je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais célébrer le 8 mars, la Journée internationale des femmes, en saluant toutes mes sœurs dans le monde. Surtout celles qui, l'an dernier, ont lutté et sacrifié leur vie pour l'égalité et la liberté. Je rends hommage aux femmes courageuses du soulèvement et aux femmes d'avant-garde d'Ashraf. Celles qui ont organisé des milliers de manifestations partout dans le monde. Celles qui ont fait une grève de la faim de 70 jours. Les filles courageuses qui sont tombées sous les balles des pastorants comme Neda, symbole de soulèvement du peuple iranien. Et celles qui sont emprisonnées sous la torture et les pressions du régime. Enfin, je vous rends hommage à vous qui vous êtes dressés pour soutenir vos sœurs en Iran. Oui, notre fête internationale n'est pas seulement basée sur la solidarité. C'est une voix qui dit que le projet de l'humanisme n'est possible qu'avec l'égalité des femmes. Le 8 mars brille à nouveau avec la bataille courageuse des femmes iraniennes dans le soulèvement pour la liberté. À cette occasion, je voudrais rappeler que sans la lutte des femmes, le soulèvement ne serait jamais arrivé à ce niveau de développement. D'autre part, le rôle éminent des femmes conduit cette révolte vers le renversement du régime du guide suprême dans sa totalité. Certains se sont demandé comment les femmes avaient acquis cette position dans la lutte du peuple iranien. En fait, elle repose sur 2 facteurs. Le premier, ce sont les luttes depuis 150 ans des femmes contre la dictature. Le second, c'est leur confrontation avec un régime misogyne. Vous savez que les mollahs ont créé un enfer pour les femmes avec une répression sauvage, des humiliations systématiques, un apartheid sexuel et la privation des droits et des libertés les plus élémentaires. Le résultat de ce système arriéré a été d'un côté la misère et la détresse des femmes avec son noir bilan. Un quart des femmes iraniennes sont victimes de dépression et de troubles psychologiques.
les femmes ne sont que 12% des acteurs économiques du pays. 2 millions de femmes très pauvres sont chefs de famille. 300 000 femmes sont victimes de la prostitution pour la seule capitale Téhéran. D'un autre côté, ce système a produit une répression sauvage qui a exécuté des dizaines de milliers de femmes opposantes politiques, torturé des dizaines de milliers d'autres et licencié, écarté et exilé des millions d'autres. Et tout cela accompagné d'une grande souffrance causée par le contrôle et l'inquisition quotidienne et toutes sortes d'humiliations et d'insultes impossibles à évaluer. En fait, c'est une oppression particulière qui touche les femmes, une oppression qu'on ne peut définir et qui ne connaît pas de limite. On ne sait où elle commence ni où elle finit. Un exemple, c'est le viol systématique des prisonnières. Un autre exemple, c'est le code vestimentaire. Il n'y a pas de règles écrites ni de critères. Les sanctions vont du genre de vêtements, de sa couleur et de sa taille, jusqu'au comportement et la manière de parler. Avec ce que subissent les femmes en Iran, vous pouvez imaginer la situation de la société. L'oppression de la femme en Iran indique une vie inhumaine dans la société. Or, la libération et le progrès d'une société commencent avec la fin de l'oppression des femmes. Par conséquent, les femmes résistent aussi à ce régime pour le droit de vivre comme un être humain. C'est pourquoi leur lutte vise à renverser ce régime. Et ces 30 dernières années, elles ont joué un rôle clé dans la résistance organisée. Le régime réagit à la participation massive des femmes dans les manifestations. Vous avez vu les images des manifestations et les situations des femmes en Iran. Ces derniers mois, un grand nombre de femmes ont été arrêtées et torturées. Beaucoup aussi ont été violées. Cependant, elles sont toujours en première ligne. La présence des femmes dans le soulèvement est le rappel. Un changement de régime marque la victoire d'un chemin suivi par l'avant-garde de cette lutte, en particulier les femmes d'Ashraf. Ces 7 dernières années, elles ont subi les pressions et les attaques du régime pour détruit Ashraf et elles ont su diriger ce camp avec beaucoup de mérite. Avec courage, avec foi et avec patience, elles ont tenu bon sur le terrain d'une bataille complexe. Leur persévérance a été une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes d'Iran dans la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, Ashraf est sous un blocus inhumain. Imposé par le régime des Mollahs et ses alliés en Irak, ils empêchent même l'entrée des médicaments
de la nourriture et du carburant. Depuis quelques semaines, des agents de la force terroriste OTS, des gardiens de la révolution, sont postés devant l'entrée d'Ashraf et ils ont à plusieurs reprises menacé de lancer une attaque sanglante. C'est pourquoi je vous demande de participer à la campagne internationale pour mettre fin à ce blocus et faire garantir la protection d'Ashraf par l'ONU. Je vous remercie et j'aimerais beaucoup connaître vos points de vue. Merci beaucoup de votre présence.